Une salle comble, près de 300 personnes informées du lieu par SMS quelques heures avant. Et pour les propriétaires des lieux, une drôle de surprise. Les dirigeants du parc découvrent que Dieudonné va monter sur scène dans 30 minutes. Oui, c'est moi, Dieudonné, encore vivant, hein, malgré évidemment les pressions. Une association avait loué la salle principale de ce site touristique pour du café-théâtre. Ni Défi Planète, ni le maire ne peuvent intervenir. Le contrat est en règle, le site est privé. On est complètement impuissant puisque il y a eu manipulation et personne n'avait connaissance, bien évidemment, de la nature de ce rassemblement. Et on déplore bien évidemment que notre commune, comme le parc Défi Planète, soit associée à l'actualité de ce monsieur. Interdit de salle de spectacle classique en raison de ses propos antisémites notamment, Dieudonné semble avoir trouvé la parade, lieu privé, comme jeudi soir en Charente, sur cette exploitation agricole, ou prête non. Reste que pour Dieudonné et son parc de loisirs familial, il y a eu tromperie. Et à bientôt.